Ce n'est plus un secret pour personne. Le 12 mars prochain sera diffusé sur TF1 un crossover entre Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien. Le temps d'un épisode, les deux séries à succès seront mélangées autour d'une intrigue décrite par Mimi Mati comme étant un very bad trip. Le marié va disparaître, la grand-mère aussi. Il sera question de fusils et de voiturettes, a-t-elle confié à nos confrères de télé-loisirs. Pour Laurent Ournac, ce crossover est une façon de remercier les fans fidèles de Camping Paradis et de Joséphine Ange Gardien. L'acteur, qui n'a pas du tout hésité lorsque la production lui a proposé cet épisode, a expliqué pourquoi à télé-loisirs. Quand on joue dans une série, on a parfois peur de se lasser. Faire vivre nos personnages dans un environnement différent était donc très agréable, tout comme tourner enfin en pull et doudoune. C'est d'ailleurs aussi pour cela que j'ai accepté, a-t-il lancé en souriant. C'est donc en partie pour enlever sa fameuse chemise bleue de patron de Camping Paradis que Laurent Ournac a bien voulu s'associer à Mimi Mati. Nul doute que dans le prochain numéro de Joséphine Ange Gardien, l'ancien présentateur de Danse avec les Stars devrait porter une tenue plus classique.